Bonjour les gamers, ici c'est le B35 pour un nouvel épisode de Terraria. Ça se voit depuis le début que je suis malade. On ne fera pas de commentaires sur la pierre tombale à gauche de la collection de Fanax, hein, qu'il peut aller consulter si ça le chante. Oui, non, mais... non. Bah voilà, ça c'est bien, ça c'est juste. Putain. Et, par contre, la police qu'ils utilisent, ils auraient pu au moins faire l'effort de faire un symbole pour les « et » accent aigu, quoi, bordel. Enfin, c'est pas un jeu français, t'as qu'à jouer en anglais, voilà. Bah, je joue en anglais. Bah alors, pourquoi tu vois ça? Parce que les pierres tombales, on les customise nous-mêmes et nous, on est francophones. Ah ouais. Et purée, j'ai une épée en fer légendaire. On va faire découvrir le Crimson. Légendaire. Ouais, le Crimson, j'ai hâte de voir ce que c'est. Tu auras moins à dissiper. Suivez la mort. Ouais, c'est là, c'est le cas. Mot approprié. Le cortège. Arrête de crier. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt les rejoindre. Le guide touristique. Eh mais attendez-moi. Putain. Attends, je vais prendre... Pour faire encore plus de guide touristique, je vais prendre une torche. Waouh. Non, là ça fait juste le mec chelou qui te fait visiter les catacombes dans les films d'horreur. Voilà, le cortège, putain, c'est génial. Je suis Igor. Suivez-moi, il n'y a aucun danger. Ok, alors, c'est un le cortège sous-marin, ce que j'ai compris. Hein. Super. Je me suis retrouvé midlife à cause d'un mob qui s'affichait pas sur mon écran. Alors, à votre droite, vous pouvez admirer un magnifique fond enneigé. Ouais, bah je vois rien. Trop ouf de trucs. De voilà. Ici, un zombie. Est-ce en qu'on meurt de froid si on va dans l'eau? Voici un indigène, hein, massacrons-le. Civilisons-le, ouais. Un petit peu, voilà. Ouais, ah, voilà. Cette blague politisée vous est proposée par Mr. Fanax. Là, il est bien civilisé comme il faut. Attention, CLB est tombé. Merde. GG. Attendez-moi, bordel. Je t'ai attendu. Allez, CLB, civilise-moi ça. Mais j'ai plus de torche, moi aussi. J'ai perdu tout mon stuff dans l'épisode précédent. Torche. On s'en fout, on marche de nuit, on est des oufs. Parce que nous on fait les nuits debout, juste... on reste debout toute la nuit. Cette blague politisée vous est proposée par Miss Ta Gueule. Il y a juste Fanax qui, pour une raison que j'ignore encore, émet de la lumière. J'ai un casque de mineur sous mon casque de creeper. Hop. 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 Amusez-vous à jumper au-dessus des zombies. Vous verrez, vous aussi, c'est très marrant. Ah. Voilà. Oh, watch darling, on peut sauter au-dessus de la tête des zombies. Hey, il est où le guide? Putain, je suis paumé. Je suis coincé. La lumière. Putain, la gauche. Je vois plus rien. La gauche, CLB. Et non, ceci n'était pas une blague utilisée. Ah, là, il y a quelqu'un qui nous a rejoint, non? Oui. Putain, je suis coincé, les mecs, attendez-moi. Bon, on va chercher, va le chercher, hein. Putain, je suis coincé. Bordel de merde, les mecs. Oh, je vois une étoile. Oh, il y a une étoile. Ok, non, on va chercher le gamin. Mais non, c'est à toi. J'ai obtenu une fois une star. Oh là là. Bien. Quand tu auras fini de jouer avec les étoiles. Putain, je suis coincé. Bon, va le chercher. Je vois plus rien. Je vais me faire tuer. Mais venez. Ah, voilà. Fanax. Sérieux, tu t'es coincé sous un rebord. Oh là là. Je voyais plus rien. Oh, allez, viens. Reste à côté de la lumière. Par contre, ton écran doit être vachement sombre. Mon écran est vachement sombre, ouais. Bah, c'est que, ouais. Bon, viens là, tu vas encore être perdu. Des barres de vie, mec. Il nous a rejoint. Je vais vous dire qu'il nous a rejoint. Il est bizarre, quand même. C'est Gold. Ok, tu parles. Ouais, c'est quand même manière. T'es en train de frapper dans le vide alors qu'il y a un abonné à nous. Et si vous voulez nous écouter en direct pendant qu'on fait les vidéos et discuter et tout ça, on a notre serveur Discord, je vous invite à le rejoindre, c'est entièrement gratuit évidemment. Et c'est très facile à devenir. Et si vous avez un micro, c'est encore mieux, on peut discuter ensemble. À l'oral. Et quoi qu'il arrive, on peut discuter à l'écrit, il suffit d'ouvrir le lien qui est dans la plupart des descriptions et d'entrer un pseudo et comme un netcode, tu vas sur le chat public et tu tapes des trucs et on peut répondre. Bon voilà, la propagande c'est fait, alors ensuite. Oh, y'a une grotte en dessous. Ouais, mais suivez la mort. Oui, suivez. Follow the death. Ah. Yeah. Putain, me laissez pas dans le noir avec des mobs, sérieux les mecs. C'est quoi cette ingratitude? Suivez les étoiles. Là, tu vas mourir. Moi? Prends une potion. Appuie sur H. Sur H?
Non, c'est pas sur H. T'as une potion dans ton inventaire, t'es sûr? J'ai rien dans mon inventaire. T'as rien dans ton inventaire. Bon bah suis-moi et t'écarte pas par contre. T'as genre 17 points de vie. 25. Et la mort, c'est pas tout, mais on va crever nous. Oui bah justement. C'est un peu tout l'intérêt du truc. C'est le principe, messieurs. Bon attends. Ce guide touristique est louche, qu'est-ce qu'on fait? T'as eu deux potions là? Ouais. Voilà. Donc je peux pas me servir. Mais si, tu viens d'en boire une. Ah, c'est pour ça. Mais là maintenant, t'as la nausée des potions, donc tu peux plus utiliser de potions pendant quelques temps. Voilà. Par contre, tu suis. Qu'est-ce que tu veux que je suive? C'est la worst randonnée ever. Worst randonnée ever. Excellent. T'es chaud? Ah, bonjour la mort. Tu craves des armures en fer avec notre argent. Oui, non, c'est un peu paradoxal et pas très sensé, mais voilà. Alors, Selmé va mourir. Cours, Selmé, cours. Cours pour ta vie. Moi, cours pour ta mort, en fait. Parce que le Crimson... Ah oui, mais il y a plein de mobs. C'est pour ça qu'il y a plein de mobs, en fait. Le Crimson, c'est un biome enneigé où il y a plein de mobs. Ah non, non, là, c'est juste parce qu'il fait Crimson. Oh non, là, c'est le pays des bisounours. Par contre, comment on passe ça? Bon, je vous laisse. Nous laissez pas là. Attends, je maîtrise la situation. J'ai acheté un mob du Crimson. Je dois avoir un succès pour ça. C'était pas un mob. Là, c'est un mob du Crimson, cachez-vous. Cachez les enfants. Y'a pas d'enfants, on s'en fout. Ah bah si, y'a moi. en fait, concrètement, moi je suis le plus jeune de la bande. Hein. Vous êtes tous dans des premières, hein, avec des filiales scientifiques, ma foi. Moi je suis en quatrième, tout ce qui est plus généraliste. Extra et vieux, hein. Maintenant je suis en troisième et eux sont en terminale. Bon, on va lui montrer le pire du Crimson, les araignées. Ah, et ça aussi. Ah, c'est quoi ça, je crois, je ramasse des choses. J'ai eu un lag, c'est tout. Il s'est fait, tuer par les zombies. Bon, je récupère son stuff. Mais non, mais j'ai eu un énorme lag, les mecs. Visite le Crimson en attendant avec Fanax. Je vais équiper mes flèches enflammées. Bon, bah écoutez, je vous rejoins, j'arrive. Hein. Et soyez un peu patient avec ma petite épée en cuivre. Hop, voilà, j'ai équipé mes flèches. Je marche dans le noir total. Je vais crafter mes flèches enflammées. Si je croise un slime et que je peux crafter un slime et éventuellement un arbre et que je peux crafter des torches, ce sera pas mal. Pour l'instant, mes chers abonnés, vous ne voyez rien. Moi non plus. Oh, des flottes. Je me noie. Oh, je me fais défoncer. Je me fais violer. Tu me laisses tout seul là. Bonjour, bonjour monsieur. Voilà, bon nom. Pourquoi il y a tout le temps des Fallen Stars? C'est marrant. Pourquoi il y a des ennemis dès qu'on rentre dans le biome neige alors que dans le biome autre il y a pas de. Je le sens totalement. Il y a un méchant en un œil qui s'est coincé dans une cavité avec moi. Faut que je me défende. Avec ma petite épée en copper. J'ai 125 cornes, c'est cool. Ah, bordel de merde. Bon bah moi je suis au bord du rage kit là, vous le savez. Mais BCLB, t'es pire qu'un noob à ce moment là. Mais le pire que noob, il vous emmerde, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Heureusement, j'ai encore 6 potions de TP. Allez, suis-moi. Mets tes lunettes et suis-moi. Mais je les ai plus les lunettes, putain. Ah, oui, attends. Je les ai même pas récupérées. Rejoignez-moi. Ferme la porte. Ok, je la ferme. Enfin, je peux pas là. Heureusement que je suis là. Mais je suis un noob. Quand est-ce que combien de fois je devrais vous le dire? Voilà, c'est tout ce que j'ai récupéré de ton stuff. Oh non, il y a 3 chiméras sur moi. Ah. Je te rejoins, Fanax. L'agent de tourisme totalement professionnel. Mais je suis tout seul maintenant. D'ailleurs, comment est-ce que la mort peut mourir? Bonne question. Je revis éternellement. C'est chiant. Le jour se lève. La seule phrase qu'on aurait dû dire à Selby avant qu'il arrive sur Terraria, c'est You gonna have a bad time. Yeah. Oui, on sait que tu commences à aimer. Je sais pas que je commence à aimer, c'est que j'adore. Undertale, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. J'avais oublié le nom, je suis un hérétique de votre religion à la con. J'ai peur de venir te tuer. J'ai réussi à tuer un slime sans me faire toucher une seule fois pour la première fois. GG. Pour l'instant, je tue 3 slimes en même temps sans me faire toucher. Mais va te faire mettre, tu es en train de briser mes rêves et mes espoirs. Hop, un slime. Dans les jeux en 2D, ce qui est très rageant, c'est de se dire on ne peut pas aller voir ce qu'il y a derrière ou devant. Je visite les grottes du Crimson. En soi, un jeu comme Terraria, il aurait tout à fait été possible dans les années 90. Bonne mort, enfin, peut-être 2-3 limitations techniques au niveau de la map, mais quand même. Au niveau du graphisme. C'est pas vraiment les grottes du Crimson parce que c'est une grotte normale coincée entre. À l'intérieur du Crimson. Quoique elle devient Crimson par moment, c'est chelou. Elle devient Crimson. Crimson est un adjectif. Elle est à la limite entre deux biomes, c'est bizarre. Bon bah moi je rejoins le Crimson. Moi je rejoins une grotte de glace. Tu sais la grotte de glace Le Crimson qui est sans doute le fils de Crim.
Alors bah, là... Je vais t'apprendre une chose sur la grotte sous la glace que t'avais vue. C'est de la bonne merde, hein. Ça se finit en cul-de-sac. Cool. Au bout de 2 mètres. Ah, un biome neige. Et les biomes apparaissent d'une manière tellement brusque. Je suis dans un biome montagne et tout et tout. C'est sympathique, il y a des cascades derrière et puis... Quand même, les mecs... Bam, ils ont une pioche en cuivre et ils traversent le Crimson. Nous sommes tout à fait prêts. Il faudra qu'on avance dans le jeu un jour parce que là j'arrête pas de mourir et de perdre mon stuff. Je suis toujours à poil, mais. Là pour avancer dans le jeu, en fait, le problème c'est qu'il faut tous se faire au moins un stuff argent pour invoquer le Moi j'avance dans le jeu. Hein. Honnêtement, oui. CLB, tu devrais te refaire un perso et laisser ton équipement dans un coffre histoire de pas perdre ton stuff en mourant. Ça va beaucoup te ralentir ça. Et merde, je me fais agresser alors que je suis même pas dans le Crimson. Il y a déjà un mob qui m'agresse quoi. N'empêche, la musique du Crimson est cool. Oh, des araignées. Ah oui, génial. Elle est plus cool que celle de la corruption. Moi je suis dans le biome neige, j'essaie de vous rejoindre mais j'ai pas fini. Faut faire gaffe parce que si tu te prends des dégâts dans dans un désert corrompu, c'est cool. Corrompu ou crimson? Oui bah crimsonné ça veut rien dire donc on dit corrompu. Crimsonné. Bon moi je vais rentrer dans une grotte crimson, je ne suis pas du tout suicidaire. Tranquille, tranquille. Oh des vertèbres. Des vertes quoi? Oui, je loot des vertèbres. Des vertèbres. Et ça a quoi de particulier, vertèbres? Bah, je sais pas, ça fait juste malsain quand tu le dis. Est-ce que je peux descendre? Oui, je peux descendre. Je suis obligé de m'éclairer avec mes flèches. Oh, bah, génial. Je suis dans un chouette biome. Et d'ailleurs, faudrait commencer à faire des maisons, hein. Ah, c'est la pluie. Je vais mourir! Non. T'as cassé ta pipe. J'avais pas cassé ta pipe. J'ai une araignée qui m'a poussé. Je suis dans le Crimson. Ce zombie là est particulièrement moche. Et moi j'ai trouvé l'arbre géant. Il y a un super arbre. Faut que j'aille dans la caverne là ou pas? Non, la caverne de... non, non. Ok, non, bah j'y suis. Ah putain. Si était. Bon, viens, on va explorer de l'autre côté, CLB. Ça te va? Bon, ouais, ok. Bon, bah moi je vais jusqu'à la fin de la map et je reviens. Eh, viens, CLB. Suis la mort. On a plus trop de nouvelles de The Creepy en cette période de brevet. C'est très étonnant. Le brevet c'est dur, j'étais en BEP moi. Et pas de sujet de réflexion au BEP. Ça c'est chiant. Non mais CLB j'ai pas fait exprès, je suis tombé comme une merde. Ah d'accord. Bah moi aussi je suis tombé comme une merde. Rien ne te dit que j'ai fait exprès. Alors, dis-toi, le sujet de français du BEP n'avait pas de sujet de réflexion. Oh purée le donjon. Youhou. Et donc c'est pas normal, normalement t'as toujours BEP, brevet, t'as toujours un sujet de réflexion et un sujet d'imagination. Et les sujets d'imagination, c'est écrire la fin du texte. La suite du texte. Suite et fin. Oh tiens, un stuff. Ça devait être le mien. Avec Fanax est mort par un avion chargeur. Ah oui, tiens, c'est à moi, ça. C'est tellement vieux. Tu pourras planter ma tombe à côté de la maison. Tu peux la récupérer, CLB? De qui tu parles? Sa tombe, à Fanax. Quand il dit CLB, il te parle, je pense. Lol. Ah bah oui, mais en attendant, je suis en train de me débattre avec des poissons volants, avec mon épée plus courte. Que je cherche un point de comparaison, mais faut que je reste en dehors de la vulgarité, donc je vais éviter. Attention, je m'en occupe, recule. Ok, très convaincant. Le monde n'en finit pas. Mais pourtant, c'est une map. C'est un médium, quoi. Ah bon, c'est un médium? Ouais, je vais y arriver. Oh tiens, regarde, viens voir ce mob, CLB. J'arrive. C'est un slime, hein. Un slime qui porte un parapluie. Bah oui, et bah écoute, il pleut, hein. On prend un parapluie. Leur chef au slime. Mais c'est un slime. Il est composé à 95% d'eau. Ouais. Enfin, on sait pas. Ah bah a priori. Pourquoi est-ce qu'il est sensible à l'eau? Il est sensible à l'eau parce que, je sais pas, c'est comme s'il y avait des tripes de chair humaine qui nous tombaient dessus. Hein. Non. Je sais pas s'il est sensible à l'eau parce que leur chef n'apparaît que s'il y a il pleut, justement. Allez, faut aller me laisser découvrir ça. Oui, non mais tu sauf qu'il est tellement rare que c'est même pas la peine et il faut remplir beaucoup trop de conditions. Mais leur chef, tu sais pas à quoi il ressemble et tu sais pas à quel point... Bah non, leur chef, on l'invoque directement avec l'item, on se fait pas chier. Oui, non, mais sinon il peut pop naturel. Et voilà, j'ai atteint la plage, je suis à la fin du monde. Ah oui, c'est vrai, il y a de l'eau et tu peux pas... Oui, non. Oui, c'est bien ce que je disais, c'est la pluie, mais c'est une pluie particulière. Panax doit comprendre. Pluie particulière. Pour le roi slime, spawn naturellement. Ah oui. C'est moi deviné. C'est une pluie, mais genre en rouge pour dire que c'est dramatique et tout. Non, pas du tout. Bon, je vais dans l'océan en mode YOLO. Et elle après, est même plutôt colorée, Fanax, si tu veux savoir. Ah, une pluie arc-en-ciel, au calme. Ouais, cher, allez, y'a rien au fond de l'océan pour le coup. Ça m'agace. Y'a rien à looter. Bon, je n'ai plus de flèches. CLB non, en non, 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 je ne veux pas mourir ici. Je suis de retour à la maison. J'ai une seule flèche. Hein. Bah, passe-la moi. Mais t'es sérieux, Didier? Oui. Il s'appelle Didier.
Avec de la chance d'ailleurs, tu peux looter l'Umbrella. Oui, on peut dire parapluie. Côté en bon français. On vient du côté droit. Je l'ai le parapluie. Je ramasse le cactus pour me faire une armure pétée. J'ai un parapluie, c'est trop. Ah oui, ça c'est à ça que ça sert le cactus. Non, Minecraft ça sert à rien. Si, à tuer des gens. C'est bien déjà. C'est une saine occupation. Alors, CLB, là tu vas devoir aller vite. Ah. Ok. Et tu vas mourir. Ne saute pas. Il a sauté. Fuck. Sérieux. Et c'est après tout ce temps que je découvre qu'en appuyant sur Mage, on peut sortir la torche. Voilà. Sur Mage ? Remonte à la surface, CLB. Bah oui, mais c'est attends. C'est bon, calme-toi, y'a pas le feu. C'est la tombe c'est de Il toi, mais j'ai pas de potion d'huile, putain. Merde. Bon, déjà utilisé tout à rejoindre. Bah non, mais je suis mort entre temps. Il est marrant, lui. Non, mais. Voilà. Vous êtes après le désert, du coup. Oui, after the desert. Comme disent les Américains. Il pourrait être un chouette film, d'ailleurs. Genre après l'apocalypse. Non. Excellent. Bon, je te laisse avec le poisson. Hein. Eh, va te faire. Putain, j'ai plus que 6 de vie. Saloperie. Je me casse. Merde. Est-ce que j'ai une potion de heal à te filer? Attends. Non, j'ai pas de potion de heal, désolé. Ah bah, tu sais. Cool. Attends, je passe devant. Si tu veux, tu peux couper un peu de bois, ça sera toujours pratique. Ah, d'accord. La jungle. Ah, je vous ai trouvé, vous. La jungle. C'est LB. On n'a pas eu le temps de finir le pont de cobble. Ouais, c'est le pont de cobble un peu nul. Mais un mob m'a poussé dans l'eau, donc bon. Mais, t'es sérieux? Phalanx, dégage! Dégage. Je n'ai qu'aucune moralité. Mais sérieux, avec son parapluie là, espèce de frimeur. Il a un parapluie, Phalanx? Ouais, j'ai trouvé dans un coffre. Un dinosaure! Un quoi? Courez! Mais Phalanx, on dirait un dinosaure. Ouais. Mais je me disais, attends, il y a des dinosaures dans le jeu, je m'en souvenais pas. Non. Ah, enfin, si, il y a quelques dinosaures, mais c'est des peines. Ah. Je peux pas m'empêcher d'être déçu. Attends, je me démène avec un poisson volant de merde là. Et la nuit tombe. Et oui, putain, ce qui serait marrant, c'est que. Faut-moi la paix! Ce qui aurait été marrant, c'est que je prenne le costume de la mort sans prévenir CLB et que je m'approche de la maison avec. Genre, oh mon dieu, c'est un zombie! CLB qui aurait hurlé quoi. Bah ouais, un totalement. Boss. Bon, j'aurais accepté pour un boss, mais. Laisse-moi le coffre, s'il te plaît. Et pourquoi? Pourquoi mes armes ne doutent rien là? Non, mais attends, il y a quand même le. Ah, si. C'est juste que j'ai gagné. Il m'a piqué. Oh, il m'a piqué le boomerang. Je suis la lumière. Ah. La lumière. Suivez la lumière dans les ténèbres. Qui c'est qui est vachement pécouille? Les poissons volants. Qui c'est qui est en train de me bouffer Laisse-le ma vie moi. Les poissons volants. Qui c'est que j'ai envie de massacrer? Les poissons volants. Les poissons volants. Récal potion, cool. Oh, les flèches. J'ai trouvé un item super cool qui me donne 4 de défense. C'est bien 4 de défense. Oui, bah, c'est cool. C'est pas mal. Le jeu. Parce que j'en ai en tout 7 maintenant. Et c'est beaucoup 7? Non. Mais comment t'as réussi? Non mais je combattais un slime et le mec arrive totalement par derrière. Un flying flesh quoi. Oh. Non mais please. Bon j'en peux plus, je rage quitte moi. Si c'est comme ça, hein, écoutez, je vais changer mon perso d'ailleurs, je vais faire en sorte de garder stuff parce que là, ça me ralentit considérablement. On se donne rendez-vous pour l'épisode 4 de Terraria. On pourrait appeler ça Terraria, vous êtes offert. C'est la merde. Mon item il me permet aussi de récolter des cordes avec les lianes. Je vais mourir, Phalanx. On pourrait appeler cette série Terraria, vous êtes offert. Non. Non. Je sais pas. Bon, enfin, bon. Oh non, ça c'est pas prévu ça. Ça c'était pas prévu non plus. Allez, un épisode, salut à tous. Salut! Salut.